Chartres, et avec une belle soirée orientale, avec un couscous par exemple délicieux. Oui, 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 et donc une soirée qui s'annonce bien. La commune libre va bien, même s'il y a de la pluie, mais ici il fait toujours du soleil. Voilà, toujours amateur de poésie, passionné par la poésie, passionné par Montmartre. Et c'est toujours un grand plaisir de se retrouver à la Bonne Franquette, là, aujourd'hui, avec Paris Montmartre, qui présente son nouveau numéro, évidemment toujours formidable pour nous. Avec les activités, les personnalités et surtout cet état d'esprit montmartrois de la fête dans la joie et la bonne humeur. Ça se passe très bien. Ce soir, c'est la sortie d'un numéro exceptionnel de Paris Montmartre qui comporte pas mal de nouvelles, très coloriées. On a plein d'amis qui sont là ce soir pour cette fête trimestrielle. Voilà, on fait la fête ce soir. Et puis il y a des artistes, il y a un dossier sur la Bonne Franquette, un grand dossier sur la Bonne Franquette historique, les personnages qui l'ont connu et tout. Et puis il y a plein d'autres sujets, c'est vraiment très riche comme numéro. Ah, c'est une petite réunion importante entre Montmartrois. Je ne rate jamais une sortie de Paris Montmartre parce que c'est une fête, c'est toujours une fête. Midani est quelqu'un d'extraordinaire, de très sympathique. Il crée une ambiance de convivialité et de chaleur. Qui fait chaud au cœur. Voilà. Et c'est un moment d'amitié, de calme, de jovialité. J'adore ce moment. Et dans ces moments troubles et difficiles, prendre un verre avec des amis, c'est un moment privilégié qu'il faut savoir savourer. Un député que l'on décide, petit mannequin, en confection, c'est pas le casse-main. C'est si bon, n'était pas trop loin. Passe la main. Vous exposez où ? Partout. À Paris ? Partout. Paris, avec Juan Ramirez à Marbella, à Montmartre, à Italie, Rome, en Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Opéra, tout. Je suis très heureux de vous revoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, pour la plupart d'entre vous, ça fait un trimestre. Donc moi je suis très heureux de vous revoir à chaque fois. J'espère que le nouveau Paris Montmartre vous a plu, vous avez dû le feuilleter. Il est riche, il est bien, il est beau. Il porte les couleurs de notre pays, de la France, de l'amitié, de la convivialité. C'est aussi le symbole, l'emblème de la République de Montmartre, faire le bien dans la joie. Donc voilà, on va essayer de faire encore une fois le bien dans la joie. Il y a quelqu'un qui a une grande place ce soir parmi nous, c'est une artiste d'origine saoudienne. Allez, je vais vous dire tout. Elle est égypto-saoudienne. Voilà. Et on a eu avec Alain, avec le président de la République, l'idée de la parrainer pour en faire d'elle une ambassadrice universelle de l'art, de la culture auprès de la République de Montmartre. Et donc je passe le micro à mon ami Alain pour l'introniser et avec élégance évidemment qu'on lui connaît. Merci. Cher Chalemar, bienvenue à Montmartre, à la Bonne Franquette, pour la sortie du magazine Paris Montmartre de votre ami, de notre ami Midani. C'est un grand jour, je devrais dire un grand soir, celui qui annonce les révolutions. Effectivement, la période est révolutionnaire. Cette semaine, pour la première fois, les femmes ont pu voter dans votre pays pour les élections municipales. Et vous êtes la première saoudienne intronisé à la République de Montmartre. Quel destin que le vôtre. Comme Dalida, une autre femme qui a beaucoup marqué la butte, vous êtes née au Caire. De nombreux prix internationaux vous ont été décernés et vous êtes exposée dans le monde entier. Vous êtes la première femme à qui le gouvernement saoudien a passé commande pour peindre des statues dans les plus belles avenues de Jeddah. En 2013, vous êtes passée de la toile au métal. Lors du mondial de l'automobile, vous avez présenté une création unique.
une Porsche 911 Carrera dont la carrosserie a été le support de votre œuvre, particulièrement appréciée des critiques et du public. Depuis, vous peignez sur tous les supports, vêtements, robes, pantalons, chaussures, porcelaine. Le 4 février prochain, une grande exposition rassemblera la diversité de vos créations au Carrousel du Louvre. Vous vous installez en fin d'année à Montmartre avec l'ouverture de deux boutiques aux Abeilles, l'une consacrée à vos créations, mode, et l'autre à vos toiles. Nous avons hâte aussi de les découvrir. Bienvenue à Montmartre, cher Chalemard. C'est avec grand plaisir que je vous nomme ambassadeur de la République de Montmartre pour faire le bien dans la joie. Je suis très fière, je suis ici à Montmartre et je suis très fière parce que c'est un grand médaille. France medal, and I choose Paris to live in it. So I love this. I don't know how to express or to explain. C'est très difficile pour dire quelque chose. Mais je suis très heureuse, je suis très fière. Je suis ici à Montmartre, je suis à Paris. Et j'ai choisi aussi Paris pour habiter. This is like in a mosque or church for the arts. So I'm very happy and thanks for all, and especially for Monsieur Midani. Merci beaucoup. Juste deux mots, on est content de recevoir tout le monde. On est vraiment content que tout le monde soit là et honorer le rendez-vous, plus que jamais, surtout en ce moment. Donc, bon appétit et large soif. Merci, merci. Voilà Ramirez, ceux qui ne connaissent pas Ramirez, c'est un artiste, c'est le filleul réel de Dali, de Salvador Dali. Il a rencontré Dali à Montmartre, ils ont fait un bout de chemin ensemble. Il a une manière de peindre, il peint au sabre, son pinceau au bout du sabre, et il peint de loin. Voilà, c'est un génie aussi, et Chalimard est tombée amoureuse de lui. Merci Ramirez. Bon, et maintenant, alors bon appétit, et puis le personnel, merci au personnel de la Bonne Franquette, ils sont merveilleux ces gens-là. Ils ont couru partout pour être à la hauteur de la soirée. Alors merci la bande, merci le bras, merci le Tunisien, merci l'autre, je sais pas qui. Merci à tous.
Bordeaux rouge. Je suis français, français canadien. J'aime beaucoup la France. Vive la France. Je suis le médecin de la soirée. D'accord. Parce que quand tu es à partir d'un certain nombre. Je peux faire un malaise, c'est bon. Non, j'espère pas, mais soyez rassurés. Il y a même des médecins en France ou... Oui, oui. Je suis chef de service de cardiologie ici. Il est député en Tunisie. Voilà. Il a été élu municipal dans le 18e arrondissement. Il est franco-tunisien. Mais c'est un cardiologue que... comme ça. Voilà. Oui, je suis député en Tunisie. Je représente les Tunisiens de France. Comme nous en France, on a des députés à l'étranger. La Tunisie a des députés à l'étranger. D'accord. Tunisien de France. Oui, exact. Exact. J'étais conseil municipal dans le 18e. J'étais 6 ans, de 2008 à 2014. J'étais conseiller à la mairie du 18e, avec Vaillant, Delanoë. Tu cumules de mandats et international alors. Oui, mais l'un après l'autre. J'étais conseil municipal de 2008 à 2014. Et à partir de 2014, je suis député en Tunisie. Donc, c'est pas vraiment. Il n'y a pas de cumul là. Non. De toute façon, c'est gratuit tout ça. Mon métier, c'est médecin et c'est avec ça que je gagne ma vie. C'est un homme de cœur. Surtout. Absolument, il faut l'être. Il faut qu'on le soit tous pour le bon vivre ensemble. Regarde quand tu vois là, toutes les couleurs, toutes les nationalités, tout le monde s'amuse, tout le monde vit ensemble. C'est ça ce qu'il nous faut. Ça nous donne le moral pour travailler. Vive Paris, Montmartre, vive la France, vive la République, vive le vivre ensemble. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Besar tus labios quisiera a la niña salerosa y decirte, niña hermosa, que es linda y hechicera. Si por pobre me desprecias, yo te concedo el corazón. Si por pobre me desprecias, yo te concedo el corazón. No te ofrezco riqueza, yo ofrezco mi corazón. Yo ofrezco mi corazón en cambio de tu promesa. Bésame mucho.
chose que te font croire. Quien se cabe soñana, yo ya voy a estar lejos, muy lejos de ti. Thank you.
sorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Comme Midani, j'ai deux amours, la Tunisie et Paris. Là, j'ai plus de son à mon micro, là. Donc j'ai appris cette chanson pour mon ami, votre ami Midani, qu'on peut applaudir très fort. C'est lui qui a mis tout en œuvre pour cette soirée avec la direction de la Bonne Franquette. Merci pour ces beaux cadeaux.